Et bonjour à tous, amis ludiques. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'enclume. Là, c'est la version démo. Le jeu sort en octobre. Il y aura plus de 400 cartes. Donc, du coup, c'est de Jean-Michel Fussoir. C'est le deuxième jeu. Le premier jeu, c'était Fussoir que j'ai pu présenter sur Instagram. Et là, il m'a gentiment été envoyé pour que je puisse le présenter. Donc, du coup, ça s'appelle l'enclume. C'est un jeu de divertissement où on va devoir donner des catégories. Et c'est un jeu de devinettes, justement, avec des jeux de mots, un peu d'humour noir. C'est un savant mélange. Et justement, c'est à partir de 12 ans pour 2 à 12 joueurs. Ça peut se jouer en équipe. Et pour des durées de partie d'environ 10 minutes, voire plus, en fonction de la tonne choisie, justement, il faudra être le plus lourd à la fin de la partie pour la remporter. Donc du coup, il y aura des cartes de 250 kg, de 500 kg, de 750 kg et une tonne. Plus le poids va monter, plus la carte va être difficile à trouver. Donc du coup, on annonce la catégorie dans un premier temps et dans un deuxième temps, on annonce la devinette. Donc du coup, ça va être une phrase en lien avec la réponse. Il y aura le premier indice et le deuxième indice. Donc du coup, on aura à chaque fois 30 secondes pour donner une réponse. Donc du coup, tout le monde peut jouer en même temps et la personne ayant trouvé remporte la carte. Si la carte n'a pas été trouvée, c'est le maître du jeu qui récupère la carte et pioche une carte et redébute. Donc du coup, le maître du jeu, comment on le désigne? C'est simple, c'est le joueur le plus lourd physiquement qui débute la partie. Donc du coup, il va piocher la première carte, annoncer le thème, annoncer la phrase correspondant à la réponse. Donc du coup, c'est le jeu de mots, il faut vraiment aller dans l'imagination. Du coup, c'est un jeu vraiment bien fichu. Donc on va faire une partie test avec Catherine. Mais évidemment, pour découvrir le contenu du jeu, le jeu sort en octobre. Là, c'est la version démo, je tiens à préciser. Donc du coup, il y aura du changement et ça peut être amené à changer un petit peu justement au niveau de la finition des cartes. Donc là, n'en tenez pas rigueur. Donc on rapproche la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. En tout cas, l'enclume promet d'être vraiment très intéressant. On rapproche la caméra pour une partie test. À très vite. Ouais les amis, j'ai rapproché la caméra. Donc là, c'est la version démo, hein. C'est pas la version finale. La version finale, il y aura 400 cartes. Et du coup, là, on va faire une partie à deux joueurs. Partie de présentation avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Donc là, dans un premier temps, comme j'ai pu l'expliquer, on va désigner le joueur le plus lourd physiquement qui va devenir Master of Lourdeur sur ce tour. Donc du coup, ça va être le maître du jeu. Il va prendre des cartes, les mélanger, c'est ce qui a été fait, et va devoir annoncer la catégorie puis la devinette en question. Donc du coup, ce jeu sort en octobre, donc courant octobre. Il y aura plus de 400 cartes, comme j'ai expliqué. C'est de Jean-Michel Fussoir, c'est plutôt intéressant. Donc c'est de l'humour décalé justement avec des jeux de mots, parfois humour noir. Mais je vous conseille d'aller voir sa page, il y a vraiment des trucs, des petites pépites, c'est rigolo. Donc on s'esclave de rire à chaque fois. Et là du coup, c'est le deuxième jeu, le premier jeu c'était Fussoir, que j'ai pu vous présenter sur Instagram. Et là on découvre l'enclume, une version démo, je tiens à le préciser. Donc, on va désigner dans un premier temps, ensemble, le poids à obtenir. Donc du coup, je pense qu'on va partir sur un 3 tonnes. Donc les cartes vont de 250 kg. À une tonne, plus la carte est lourde, plus la devinette va être difficile. Donc c'est parti. Donc le joueur qui pèsera le plus lourd à la fin de la partie remportera systématiquement. Donc on peut être lourd justement par les lourds ou lourd sur le poids. Bon, c'est le lourd. Donc c'est un jeu léger justement d'ambiance familiale. On peut jouer à partir de 12 ans. Donc let's go, première carte. C'est parti. Objets et marques, des récipients individuels pour faire fondre la raclette. Des récipients individuels pour faire fondre la raquette. Donc du coup, c'est un jeu de mots. Donc là, tu as 30 secondes, mais on va aller plus vite. Premier indice, chaîne de magasin. Chaîne de magasin. Deuxième indice, là, je pense que tu vas trouver. À fond la forme. Décathlon. Bravo, tu remportes tes 500 premiers kilos. À toi. Alors, divertissement. On vous accueille avec plaisir chez le chien de traîneau. On vous accueille avec plaisir chez le chien du traîneau. Indice 1 film, indice 2 non. Bienvenue chez Chi. Oui. Oh, ma première tonne, c'est parti. À toi de jouer. Par contre, si le joueur adverse ne trouve pas la carte, malgré les indices, la carte va systématiquement chez le molle. Let's go. Divertissement. Le sort incroyable de la sécurité sociale du bébé cheval. Le sort incroyable de la sécurité sociale du bébé cheval. Premier indice, acteur. Deuxième indice, Audrey Tautou. Le sort incroyable de la sécurité sociale du bébé cheval. Celle-là est bien foutue. C'était le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Amélie, c'est la sécurité sociale. Le bébé cheval, c'est Poulain. Et le sort incroyable de la sécurité, le fabuleux destin. Ouais. C'est un jeu de mots. Hop là, donc je remporte la deuxième carte. J'arrive à 2 tonnes. Prochaine carte, hop, pour 500 kilos. Alors, divertissement. Le capitaine qui s'endort de bonne heure.
Et si c'est pas... Oh, bien foutu. Jeu de mots, le capitaine qui s'endort de bonheur. Premier indice, marin. Deuxième indice, la calypso. Alors, à ton avis, le capitaine qui s'endort de bonheur. C'est un jeu de mots plutôt sympa, franchement bien fichu. Marin, indice numéro 1. La calypso, indice numéro 2. À ton avis. Commandant Cousteau. Ouais, il se couste tôt. Il se couste pas tard. À toi. Donc là, tu arrives à une tonne, à deux tonnes. C'est parti. Pour une tonne. Laisse gagner. Alors, divertissement. Phrase de dentiste. Phrase de dentiste. Indice 1, personnage de fiction. Indice 2, indien. Phrase de dentiste. Premier indice. Personnage de fiction et le deuxième indien. Je ne sais pas. Yakari. Yakari. Ah ouais, le dessin animé. Le pouce pour moi. Yakari. Phrase de dentiste. Yakari. Donc allez, tu relances. 750 kilos. Alors, musique. Trip. Et indice 1, groupe. Indice 2, disco. Trip. Abba. Oui. Les Abba. Sympa. Sympa, sympa. Allez, à toi. 750 kilos, divertissement. Oh, ça allait bien. Félidé, très rapide en binôme. Félidé, très rapide en binôme. Donc, ces jeux de mots, c'est plutôt sympa. Indice 1, acteur. Indice 2, Cyrano. Félidé, très rapide en binôme. Indice 1, acteur. Indice 2, Cyrano. Alors, c'est un pic, un cap, que dis-je ? Une péninsule ? Ah, le temps d'avis ? Depardieu. Ouais. Et fidèle. Depardieu. Alors, ouais, c'est ça. Fait l'idée très rapide. Un guépard, donc Gérard, en binôme, Depardieu. Gérard Depardieu. Donc là, du coup, ça va être la question finale pour arriver à, forcément, 3 tonnes. Et c'est moi qui ai l'avance dessus. Allez, pour 250 kilos. Divertissement. Épousa un quadrilatère. Épousa un quadrilatère. Indice 1, chanteuse. Indice 2, diva. Maria Carré, tout simplement. Oui. Bon, je remporte la première partie. Est-ce que tu veux une revanche ? Allez. Allez, c'est parti. On écarte, bien évidemment, ces cartes. Et on fait encore en 3 tonnes. Allez, la revanche, c'est parti. Tu commences à une tonne. Ouh, c'est très intéressant. Donc, divertissement. Pas palpable. Pas palpable. Réfléchis à ça. Indice numéro 1, film. Pas palpable, film. Indice numéro 2, handicap. Ah, c'est pas ça avec Omar Sy et l'autre. Oui, c'est... Padora pas chocolat. Ah, comment pas c'était pas chocolat, non, c'est... Ça, c'est la réplique. Comment il s'appelle ? Incassable, c'est autre chose, non, avec Bruce Willis. Ah, il est super. En plus, il a été mais je vois lequel c'est, revisité avec Bryan Cranston, justement, version américaine. Bah, allez, je te l'offre. Intouchable, pas palpable. Voilà. Pas palpable, intouchable. Super jeu de mots. Donc, tu remportes ta première tonne. Merci. C'est parti. À toi. Pour 750 kilos, c'est parti. Divertissement, le hacker de Martinique. Le hacker de Martinique, divertissement. Le hacker de Martinique. Indice 1 film et indice 2 trésor. Ah, ça c'est bien fichu. Franchement, super jeu de mots. Pirate des Caraïbes. Oui. Ah ouais, le pirate. Pirate, pirate. Hacker des Caraïbes. C'est parti pour 500 kilos. Let's go. Divertissement. Écoute bien. Le jeu de mots est plutôt intéressant. Jésus déguisé en piano. Jésus déguisé en piano. Franchement, celle-là... Et celle-là est vraiment rigolote, les gars. Indice 1, acteur. Indice 2, ok. Je répète, Jésus déguisé en piano. Ah là, celle-là, c'est une pépite. Indice 1, acteur. Indice 2, ok. Dingue. Visiteur. Acteur. Celui-là qui joue. Allez, allez, allez. Christian Clavier. Ben oui. Et évidemment, le fameux Christian. Dans le rôle de Jacouille la Fripouille, ou Jacquard, bien évidemment. Ah, 250 kilos, ah, tiens, il avance sur moi, là. Expression. Expression ? Oui. Nommer un félidé, un félidé. Nommer un félidé, un félidé. Attends. Nommer un félidé. Dire les choses franchement et ne appelons pas un chat, un chat. C'est ça. Ah oui, félidé, félidé. Ah, je commence à comprendre, franchement sympa. Pour 250 kilos, c'est parti. Et là, tu es sur le divertissement. Le canidé sauvage de la bourse de New York. Le canidé sauvage... de la bourse de New York. Divertissement. Donc l'indice 1, c'est un film.
le canidé sauvage de la Bourse de New York. Et indice 2, DiCaprio. Super film d'ailleurs. Le canidé sauvage de la Bourse de New York. Alors, le canidé sauvage de la Bourse de New York, indice 1, film de DiCaprio. Papap, tu le sais, on l'a vu, il était super ce film. Le Loup de Wall Street. Bravo, 250 kilos pour toi. Ouh, je peux rattraper là. De tonnes si j'arrive. Allez, let's go. Divertissement, moyen de paiement pour garder les enfants. Moyen de paiement pour garder les enfants, bonbon. Après, bonbon. C'est acteur et imbattable. Acteur imbattable. Alors, répète. Moyen de paiement pour garder les enfants. Moyen de paiement. Acteur et imbattable. Alors, attends. Moyen de paiement pour garder les enfants. Nounou, acteur imbattable. Ouais. Oh putain, oui, Chuck Norris. C'est ça. Ah oui, Norris. Chuck Norris. Ouais. Oh bah, ça va loin. Donc, tu as 2 tonnes, tu es à... Ouh, tu as 1,7 tonne. Et là, tu peux monter à 2,5 tonnes. C'est parti. 750 kilos. Divertissement. Alors, le quatrième jour de la semaine, il ne faut pas parler. Le quatrième jour de la semaine. C'est quoi le quatrième jour? Ouais, il ne faut pas parler. Jeudi chute. Alors, c'est l'actrice. Bon, ça, jeudi, ouais, franchement, c'est sympa, ça aussi, elle est sympa. Jeudi, quelque chose, moi. Jeudi, ouais, tu l'as déjà. Jeudi, il ne faut pas parler. Jeudi, chute. Jeudi, silence. Jeudi. Et le deuxième indice, si celui-là, on a vu, il t'a même fait un peu peur, justement, c'était aller voir quelqu'un d'un peu déglingué, le silence des agneaux, avec, hop. Alors, il y a qui dedans dans le silence des agneaux? Pense à jeudi, pense au silence des agneaux, l'actrice, là. Aïe, 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 super film. Qui fait peur, là. Le gars qui mangeait. Ah. Jodie Foster. Bravo, Jodie Foster. Jodie Foster. Donc il ne faut pas parler, il faut se taire. Ouh là, je vais gagner si je réponds à celle-là. Toi, t'as 2 tonnes. Ouais. Soit c'est toi, soit c'est moi. Allez. Littérature. Ouh là, littérature. Moi, oh my god. Pas réussi à bander le jour d'avant. Pas réussi à bander le jour d'avant. Attends, pas réussi. À bander le jour d'avant. Ouais. Pas réussi à bander le jour d'avant. Oula, celle-là est. Alors, écrivain. Écrivain, oui. Et Jean-Baptiste Poquelin. Ah ben Molière. Oh oui. Putain, elle était Molière. Oulala. Ah, celle-là est énorme. Oh purée. Pas réussi à bander le jour d'avant. Écrivain. Jean-Baptiste Poquelin. Molière. Bon voilà, vous aurez compris. Donc là, le jeu, c'est la version démo. C'est un jeu qui va sortir courant octobre et il y aura plus de 400 cartes et il y aura des cartes qui vont se rajouter justement. Là dans la version démo elles ne sont pas présentées mais ça promet d'être vraiment très intéressant. On fera bien évidemment une vidéo complète lors de la sortie du jeu, dans une seconde vidéo pour voir la finalité et je pense qu'on pourra le faire avec un peu plus de personnes. Donc là c'était juste une présentation, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, un petit pouce bleu, je remercie l'enclume Jean-Michel Fussoir justement pour l'envoi du jeu. En tout cas ce jeu est vraiment très intéressant, c'est léger mais lourd à la fois, justement c'est... servi sur un plateau, de bonnes tranches de rigolade, agrémentées de jeux de mots. Donc voilà, un petit pouce bleu, les amis, sonnez la cloche, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.